Salut à toutes et à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de 5 packs, une équipe. J'ai eu de nombreux retours positifs et avec quelques critiques que je prends en compte. Pour l'épisode 2, enfin pour l'épisode 1, donc je vous fais l'épisode 2. On m'a reproché surtout, et je m'en suis rendu compte tout seul, le bruit des manettes, le ça. Donc c'est assez chiant, je l'accorde. Donc là j'ai tenté un truc, j'ai tenté un réglage. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. N'hésitez vraiment pas, au contraire, moi je suis là pour me développer. Donc, avant de commencer, je vous montre un truc marrant. Ok, c'était pas drôle. Donc, on est reparti pour l'épisode 2. On va commencer par ouvrir le premier pack. Donc, je rappelle, on ouvre 5 packs aléatoires et on en fait une équipe. 5 packs or quand même, hein, je me respecte un peu. On ouvre le premier pack. Un gardien, s'il vous plaît. Ok. Pas de gardien. On a un coréen. On a un coréen, les gars. Easy. Je les place, on se retrouve pour le prochain pack. Ok, deuxième pack, c'est la tête de Ward qui nous a porté chance hier. Ok, on a eu deux silvers là, ça a l'air compliqué là. Bon. Pourquoi on a des silvers? On ouvre des packs or. Troisième pack. Trois, vous voyez pas mon dos. Blind. Blind, ça veut pas le dire aveugle. J'espère qu'il est pas aveugle. Ok, il faut que je les place. Parce que sinon, je vais pas avoir de place. Bon, là où on en est, il nous manque deux défenseurs, un gardien d'ailleurs. Les milieux, on peut se débrouiller entre nous. Quatrième pack. Allez, s'il vous plaît, un gardien. Parce que là, on va être dans le. Oublie le. Un gardien! Et un défenseur. Allez, pour le dernier pack, imaginez, on chope un Messi ou un truc comme ça. Allez Griezmann, tu nous portes chance. Non, mais qui es-tu? D'accord, par contre, au niveau des défenseurs, là, ça va commencer à être short. Bon, les gars, on a ouvert nos 5 packs. Donc, ok, on a ça. Alors, il nous manquait un gardien. On le place. Un défenseur central. On le place. Un milieu. Qui on va mettre au milieu? On a eu moins de joueurs qu'hier. Alors je pense qu'en défense on va passer blind, l'aveugle, on est obligé. Montolivio, on va le mettre en milieu central. Et Perisic, on a toujours des noms compliqués. On va le placer là. Par contre ce qu'on va faire c'est que je vais mettre des joueurs à moi hein, sur le banc. Ah bah vous affolez pas, c'est rien. J'en mets deux, regardez, je mets deux défenseurs. Voilà, je ne toucherai pas, promis. Donc là, on a 78 de notes. Je crois que c'est mieux qu'hier. Pourtant, 37 de collectif, hier, il me semble qu'on était dans les 40. On est dans la merde. Donc voilà, on se retrouve tout de suite pour le match. Un adversaire. Ok, donc lui, il est à 100 déjà. Moi, j'avais joué en blanc. Avec notre coréen en pointe, les gars. Viva Coréa. Une bonne BPL, une excellente BPL, une très bonne BPL, on est dans la merde BPL. Et en BPL jusqu'en haut, je dis n'importe quoi, j'en ai... Même ça, j'ai le bon. Les gars, le match, je l'ai fait. Sauf que ça buguait énormément, c'était injouable, donc je vous mets des extraits... J'ai quitté en fait, au bout d'un moment, c'était injouable. J'allais pas vous présenter ça, quoi, c'était vraiment minable. Donc on va en refaire un, tout de suite, ensemble. On va voir les joueurs s'ils ont perdu. Non, ça va, ils ont pas trop perdu de santé. Donc on va en refaire un ensemble, donc on est parti pour le match. Alors là, sur ce coup-là, on va vérifier la connexion. 3 barres. Ok, c'est bon. Allez, je joue en bleu maintenant. Il a un général, enfin un collectif un peu pourri, comme nous. Enfin, pas autant que nous. Est-ce qu'il a fait de la merde? Bon, ok. Si on gagne... On fait quoi si on gagne? Qu'est-ce qu'on fait si on gagne? Évidemment, il pleut, hein! Bon, au moins, ce match, il bug pas. On est tombé contre un skiller, les gars. Les gars, on lui montre que même sans skill, on peut faire des choses. Bah, il pourra sûrement faire plus que nous. Oh là là, ces joueurs sont rapides, ils sont précis.
Faut arrêter les gestes techniques. Hein. Les gestes techniques, ça fait pas tout dans la vie. Hein. Allez, Lee! Arrête les gestes techniques, on est... Ah bah d'accord. Ok, bon, ils nous emmènent. Ok, on s'est fait démonter la tronche. On fait du skill, nous aussi, contre lui. Et alors, on a du skill, nous aussi, qu'est-ce que tu crois? Allez, les gars, on défend. On lâche pas la balle. On frappe. Dommage. Aïe. Et non. Pas contre nous. Oh, c'est beau. Allez. Oh non, il y a faute là. Opposition. Bon les gars, ce match il est dur mais au moins ça bug pas comme tout à l'heure. Ok, donc là on fait de la merde en plus là. Allez. Il me saoule à skiller. Parce que j'ai des joueurs qui peuvent pas faire ça, moi. Et en plus, je sais pas le faire. Vous voyez mon coréen comme il est fort ou pas? Regardez le coréen comme il skill. Ok, il fait de la merde, le coréen. On a des défenseurs qui sont là, qui ont la rage. Ils ont la rage, nos défenseurs. Regarde le chain défenseur, ce qu'il fait. Hop là! Hop là, sans skill. Le petit train. Allez. Dommage. Ok. Mi-temps. 53 pour lui de possession. On a fait 3 tirs quand même. Il n'a fait que 2 tirs lui. J'avais l'impression de me faire rouler dessus. Bon, allez. Allez. Un partout. Et alors. Il est beau, on skill pas. Nous, on ne skill pas. Mais on te met un but quand même. Il me semble que c'est le coréen qui l'a mis. On se défendra jusqu'au bout, nous. T'as beau nous mettre des buts, on défendra. C'est bien, skill. Et alors, où est-ce qu'il t'a amené ton skill depuis tout à l'heure? Nulle part. À un partout, il t'a amené. Ok, je me venge un peu, là, je sais pas, je m'acharne un peu sur lui. Allez, centre! Tête! Dommage, elle était belle. Bien, les gars. On vous demande de rien et vous défendez. Non, t'as fait... Oh non, j'ai fait de la merde, là, c'est moi. Là, c'est de ma faute, j'ai fait de la merde. J'ai fait de la grosse merde. Je suis pourri, là, sur ce coup-là. J'avais juste à frapper, j'ai voulu faire mon bout. Le deuxième, putain. Ça veut dire si nous en met le deuxième. On a du quoi tout à l'heure. On est des guerriers. Donc nous deux joueurs sont des guerriers. On va aller mettre un deuxième. On va choper le match nul. Allez, on redribble. Et alors, moi aussi je sais faire. Regarde, Shikawi. Non, c'est lui, Shikawi. Kane. Non, il va nous en mettre un. Non, ok, c'est compliqué. Non, ok, c'est compliqué. Ok, Kane, moins 1 déjà, c'est bien. Moins 2. Ok, moins 0. Pourquoi on gagnait et on gagne. Enfin, pourquoi on est match nul et maintenant on se fait exploser la tête là. Allez, Perisic. Dommage. Il n'a pas récupéré la balle en fait. Oh non, il se blesse. Qui es-tu? Amorim, il se. Bah allez, joue Amorim, allez. Ok, je le change, Amorim. Gvist. On met Gvist à sa place. Non mais c'est chaud quand il me respecte pas lui. Ça va, ouais. Mais c'est quoi encore ce but? On est maudit. Bon, c'est le but de la série aussi en même temps, il fallait pas s'attendre à des trucs de fou. En même temps on tombe contre un skiller aussi, le mec c'est trop facile contre des joueurs comme moi. Les joueurs ils ont aucune reprise, c'est à dire que tu les dribbles une fois, ça y est, ils reviendront plus. Voilà. Je me suis étonné que t'en aies pas mis plus quoi. Moi je trouve qu'on a bien résisté quand même avec notre équipe et son. Et la sienne. Bon les gars, c'est fini. Donc on s'est fait. Éclater 4-1. On a bien résisté une bonne partie du match avec 1-1. Bon, sur la fin on s'est fait éclater, nos joueurs sont fatigués je pense. Ils devaient plus savoir courir. L'avantage qu'il a eu, Shikawi, il en a mis 3.
L'avantage c'est que lui il avait des skillers, donc il avait même des joueurs, il avait que des joueurs boost en fait à la base, donc des joueurs quand même qui sont assez endurants. Arrivé sur la fin du match, on s'est fait démonter. Donc voilà, c'était l'épisode 2. Je ferai l'épisode 3 d'ici pas trop longtemps je pense, donc c'est vraiment super intéressant. Merci pour vos commentaires en tout cas, n'hésitez pas à faire pareil pour cette vidéo là. Donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.